Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 21 avril 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. J'ai déjà enregistré à deux reprises la vidéo. Ici, c'est mon troisième essai et dernier. Alors, si vous ne l'entendez pas, c'est que ça n'a pas fonctionné. Si vous l'entendez, eh bien, c'est que ça a fonctionné. Quelle logique imparable que la mienne. Je vais vous parler d'un livre que j'ai lu deux fois. Un livre important, majeur, nécessaire et qui a été accueilli dans un silence assourdissant, du moins apparemment. Mais n'ayez crainte. Ce livre-là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens l'ont lu. Beaucoup de gens l'ont parcouru. Beaucoup de gens ont consulté son index, qui est fort achalandé pour voir si leur nom s'y trouvait. Et peu, en fait, très, 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 très peu de gens n'y figurent pas. Je te l'ai vérifié, le nom de mon papa n'y figure pas. Mon père est venu trop tôt pour être un boursier. Mais en fait, pratiquement toute la République des lettres québécoises y figure. Alors, ce livre, c'est ceci. Art, arrangement, le mécénat d'État de Robert Guillergeau. Robert Guillergeau, à qui on doit également, et qui avait été accueilli cette fois-ci avec plus de férocité. On l'avait critiqué durement, tandis que celui-ci a été passé sous silence. Donc, on lui doit, entre autres, À tout prix, où il nous raconte comment se déroulent les concours littéraires, comment ce sont les mêmes qui s'octroient des prix, des amis du régime, faveurs que l'on se fait entre éditeurs appartenant au même cénacle, comité de lecture favorisant les mêmes manuscrits, les mêmes manuscrits qui passent, qui sont les mêmes livres qui sont auréolés à la suite de tractations, d'échanges, de bons services entre écrivains, entre éditeurs, journalistes, entre ceux qui font la petite République. Mais celui-ci est qui est une somme, il est allé colliger des centaines et des centaines de documents. Certains d'entre eux même caviardés, j'ai cru comprendre, pour nous expliquer comment un tel auteur, un tel éditeur, tel indépendantiste, fervent indépendantiste, a été l'un des principaux à s'abreuver. A été un des plus importants à s'abreuver, pardon, aux mamelles de l'État. Je ne vous cacherai pas, je me suis régalé en lisant cela. N'appartenant pas tout à fait au monde littéraire, étant un libraire d'occasion et d'ancien, appartenant donc à la banlieue, si je peux dire, à la banlieue lointaine. Mais cependant, dans ma librairie, on n'y trouve que des livres que l'on peut revendre, n'est-ce pas? Ils ont passé par les librairies de livres neufs. Ils ont eu 3 mois pour convaincre un certain nombre de lecteurs. Après 3 mois, ils sont remballés, ils sont mis dans des camions qui sont ensuite dirigés vers des entrepôts, où ils seront entreposés pendant un certain nombre d'années, le distributeur en conservant ce qu'il faut pour les 5 ou 6 années qui vont suivre. Et puis, un beau matin, l'auteur reçoit un coup de téléphone de son éditeur lui offrant d'acheter à vil prix le stock résiduel de son dernier livre. Il reste 700 exemplaires sur un tirage de 1000. L'éditeur lui propose d'acheter le lot
pour $1 pièce. Et l'auteur de ce rire criait: non, c'est trop. Jamais je racheterai mes propres livres. Alors, ne s'étonnons pas si les auteurs eux-mêmes n'ont pas envie d'acheter leurs propres livres, que le lectorat en fasse autant. Dans le passage que je vais vous lire, il est question d'un poète. Oh, ça doit bien faire 40 ans, je me demande si c'est un bon poète. Oh oui, hein, vous vous rendez compte? 40 ans, j'aurais passé ma vie à me demander si Denis Vanier est un bon poète. Ben, c'est toute une vie, ça. Hein? 40 ans à me gratter la tête. Pourquoi je me pose la question? Parce que je n'ai jamais su si c'était bon ou pas. Ce que je sais, par contre, c'est qu'on n'a jamais vraiment analysé les raisons de son succès qui perdure auprès des générations, des jeunes générations. Pour moi, cela, ça se résume un peu à un certain nombre de choses, dont celle-ci. Denis Vanier est le premier poète rock. Il avait des titres accrocheurs. Il avait une iconographie provocante. Il avait également une attitude punk. Vous voyez chier tout le monde. La rock attitude. Et donc ça, ça a toujours marché, ça, ce comportement-là, un peu. On est loin du poète à barbe, fumant la pipe, et avec les vestons, avec les manches. Là. Vous voyez? Pas comment ça s'appelle. Il faudrait que mon ami Michel vienne m'aider. Là. Michel est tellement fashion. Il connaît ça, la mode, Michel. Pas moi. Et donc. En plus, les tatous. Hein? Maintenant, tout le monde est tatoué. Alors, tout le monde ressemble à Denis Vanier. Hein? On voit des Denis Vanier partout. Un peu comme on voyait jadis, quand j'étais enfant, des gens qui avaient la coupe Elvis. Les Elvis étaient partout. La castration d'Elvis, un des titres de Denis Vanier, maintenant on pourrait dire la castration des Vaniers. Ben, les poètes Vaniers. Quand je vois un jeune qui s'avance lamentablement sur des traces de ce poète, je ne peux pas dire maudit, hein, parce que c'est ce que démontre Robert Hiergeau. Que Vanier n'était pas un poète maudit. La subversion subventionnée, soit, mais pas un poète maudit. Alors, je m'arrête ici. Tenez, ça va être une vidéo en deux parties. Je ne recule devant rien pour me rendre intéressant. Alors, je vous annonce que demain matin, j'enregistre la deuxième partie de cette vidéo où il sera question de Denis Vanier, et je vous dirai également un petit mot sur Robert Hiergeau, qui hélas est mort en octobre 2011 à l'âge de 54 ans. Téléphone sonne. Ça, c'est l'appel de la base. Bonne journée et à demain pour de nouvelles aventures.